Demeure ferme dans ce que tu as appris
De cela, tu as appris la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Parole du Seigneur. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je ne dévie pas de celles de tes exigences. Le fondement de ta parole est vérité. Éternelles sont les justes décisions. Grande est la paix qui aime ta loi, Seigneur. Des grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint pas ta parole. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Seigneur, j'attends de toi le salut. J'accomplis ta volonté. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Un peu la carte d'identité de Timothée.
Timothée est originaire de Lystre et il est d'une mère juive et d'un père grec, ce qui n'avait pas facilité son intégration pendant sa mission avec Paul. Il avait une grand-mère qui s'appelait Loïs et sa mère s'appelait Eunice. Ils étaient pratiquantes et elles ont beaucoup influencé sur la foi de Timothée. Devenu chrétien grâce à Paul, parce que c'est lui-même qui dit « mon enfant dans la foi », il a participé au voyage missionnaire de Paul, surtout à Thessalonique, à Macédoine, à Corinthe, et même il a fait la captivité avec Paul ou à Césarée à Rome. Il était jeune, comme on vient de l'entendre tout à l'heure, quand il accompagnait Paul pendant le voyage missionnaire. Voilà en brièvement le destinataire de deux lettres que Paul a écrites. À Timothée. Donc, ces temps-ci, nous sommes en train de lire la deuxième lettre. Paul était en prison à Rome et il a appris que son fils Timothée, il l'avait mis à Éphèse, est en train de rencontrer d'énormes problèmes. Il était informé des problèmes et des difficultés que Timothée rencontrait dans sa communauté. Il l'avait nommé évêque et il l'a mis à Éphèse. Alors nous sommes en train de lire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième lettre qui est très intéressante. Et actuellement, l'Église nous propose comme méditation aujourd'hui son chapitre 3 qui présente trois portraits et trois descriptions. Trois portraits, trois descriptions. Il y a le portrait des impies, une description, qui sont les impies. Il y a le portrait de Paul lui-même. Paul lui-même dit à Timothée qui il est. Et puis il y a le portrait de Timothée lui-même aussi. Donc, trois portraits, trois descriptions. La lecture d'aujourd'hui nous présente le portrait de Paul et le portrait de Timothée. On n'a pas entendu le premier portrait, le portrait des impies. Mais c'est important de connaître les trois portraits parce que ça facilite la compréhension de cette lettre. Alors, le premier portrait, c'est le portrait, comme je l'ai dit, des impies. Une description de qui sont les impies. Paul dit à son fils Timothée qu'il doit connaître 18 caractéristiques négatives venant des impies. 18 caractéristiques négatives. Je les cite. Égoïste, âpre au gain, fanfaron, orgueilleux, blasphème, rebelle à leurs parents, traître, emporté, ingrat, sacrilège, sans cœur, implacable, médisant, sans discipline, cruel, ennemi de Dieu, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir. 18 caractéristiques négatives du comportement de ces impies, de ces impies-là. C'est une liste donc de vices négatifs impressionnants. Et Paul veut que Timothée ne suive pas ces impies-là. Le deuxième portrait, c'est le portrait de Paul. Paul lui-même va lui dire comment manger. Paul prend le contre-pied donc de ce qui est dit précédemment et il se propose comme modèle de vie à son fils. Il se propose. Il dit à son fils Timothée qu'il est un homme fort, qu'il est un homme en mesure de vivre dans des situations difficiles, dans des situations chaotiques, de vivre parmi les hommes impies. À ce que j'ai présenté là, c'est là que il est capable de vivre avec ces gens-là. Troisièmement, on peut s'abandonner totalement à
la puissance de Dieu. Donc, quatre grandes qualités que Paul présente à son fils, ce qu'il est en train de vivre. Il lui dit que je suis fort. Je suis en mesure de vivre dans des situations difficiles, des situations chaotiques, de vivre parmi les hommes impies, et enfin s'abandonnant totalement à la puissance de Dieu. Donc je veux, toi, Timothée, que tu essaies de m'imiter. Et troisième portrait, c'est le portrait du jeune Timothée. Et là, Paul l'encourage à deux choses, à la persévérance et à la constance. Il l'encourage à la persévérance et à la constance. Pourquoi? Parce que, dit-il à Timothée, tu es solide grâce à ce que tu as appris de ta famille, de Louise, de Ennis, de ta grand-mère, de ta mère, et de moi-même. Donc, tu vas être solide de ce que tu as appris de ta famille, de ta grand-mère, de ta mère, et de moi-même. Deuxièmement, il dit à Timothée, tu es solide grâce à la connaissance que tu as des écritures qui te permettent d'affronter les moments difficiles et dangereux. L'écriture doit t'éclairer, doit te permettre d'affronter les moments difficiles et dangereux. Donc, ces trois portraits sont d'identité spirituelle extraordinaire. Alors, face au coronavirus, je vous invite à vous laisser interpeller par ce que Paul dit de lui-même à son fils. Il lui dit, je suis un homme fort, en mesure de vivre dans une situation difficile, dans une situation chaotique. Nous vivons une situation difficile, très difficile même, il faut le dire. Alors soyons forts, 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 comme l'a été Paul. Amen. Seigneur, la grâce, Seigneur.
grâce de continuer à venir, à quoi être saint, Dieu est à l'aide de l'histoire. Nous n'avons pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous as dit de te rendre grâce. Nous sommes en prière à cette vie, mais nous rapprochons toi par le Christ notre Seigneur. Lui partit la tête du ciel, avec les grands et les rapports, ne cesse de t'acclamer en chantant. De même à la fin de Pâques et la Pâques, de nouveau il en est place de la donnant à ses disciples en disant, prenez et vous en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous soit allé dans la lumière pour le pouvoir. Sur nos tous enfants, par les morts, nous demandons de nous passer. Par prière, parce que nous grâce au Seigneur, en honneur de son élève, en honneur de son emploi de parole, parce qu'à l'examen, nous nous faisons son anniversaire, le plus tard, et pour tous ceux qui portent le nom de Boniface, on se l'a fait aujourd'hui. Nous implorons par contre, permettez-moi de garder ce moment et d'amener le même de Dieu, avec ce que j'ai donné, avec les apôtres et les saints de tous les temps que nous déclarons pour la vérité. Nous n'ayons pas la vie éternelle et que nous chantons la gloire par Jésus-Christ, mon Fils, qui est le Dieu. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout l'honneur et tout le pouvoir des siècles des siècles. Amen. Unis dans le ministère, venez avec confiance la prière de la pensée du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre corps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette ville où nous nous faisons le bonheur de notre domaine et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, ta patrie, le règne de la puissance et la gloire. Seigneur, je vous prie, la vie de la mort, je vous laisse la paix, je vous donne ma vie. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la avec nous de ma fête, pour que le règne des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits. Et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec vos esprits. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.